J'habitais au Mali. Il y avait la guerre. J'avais peur. On est venu en car, moi et puis mes parents, ma petite sœur avec ma grande sœur. Je ne suis pas contente que je suis là. Parce que on est dans la forêt, ici il y a chaud. Là-bas, on n'était pas dans ton. On était à une villa. Je pars à l'école, mais c'est dur. Et puis, c'est loin. On est pressé pour rentrer chez nous. Je sens qu'ils sont angoissés. Souvent, ils disent qu'ici, là, c'est pas bon. Ici, c'est la brousse. On dit c'est la guerre. Il faut patienter. Si la guerre est finie, on va tous rentrer dans notre pays. Ils sont en bonne santé, mais ils ont perdu du poids. Il nous a donné cette tente, des habits à manger, mais la nourriture, c'est pas suffisant. On a de l'eau, presque beaucoup même. On a un forage à côté de nous aussi, mais on n'a pas de toilette vraiment. C'est un problème. Souvent, on part dans la brousse. Sur le camp, il y a 5 forages. 2 anciens forages qui ont été réhabilités et 3 nouveaux. Pour l'instant, c'est suffisant. Mais si on doit amener d'autres réfugiés en plus, il faudra faire d'autres structures supplémentaires. Pour les latrines, au stade actuel des choses, il n'y a que des latrines provisoires. Mais l'UNICEF est en train d'œuvrer dans ce sens-là pour pouvoir mettre en place des latrines définitives de très bonne qualité à disposition des populations qui sont là. Vraiment, c'est dur. Laisser les amis, les frères, le travail. Là-bas, j'étais autonome, mais ici, je dépends vraiment de bonnes volontés qui m'apportent leur secours. C'était difficile. Madame ne voulait pas quitter, les enfants ne voulaient pas quitter, mais j'ai pris la décision de partir parce que ce que moi j'ai vécu en 90, je ne voulais pas qu'ils le vivent. Les casses, les exactions, les milices. Quand je serai sûr qu'une paix définitive a été établie, là, je vais partir. Même si ça veut dire habiter dans ce camp et avec toutes les difficultés, je suis prêt quand même à rester pour la sécurité de ma famille. Thank you.